Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Asante sana na bwana Mungu awabariki. Mettez-vous s'il vous plaît. Mwikale na wasi. Voilà, j'ai saisi dans la présentation de papa. Nilikamata mukunitambulisha kwa baba. Que Dieu fait toute bonne chose à son temps. Ya kwamba bwana Mungu anafanya kila kitu kizuri wakati yake. Et j'ai appris quand on marche avec Dieu. Na nilijifunza kwamba wakati tunatembea na Mungu. Il peut aussi vous dire trois choses. Anaweza kuonyesha tena vitu tatu. Soit attendez d'abord. Au unachunga kwanza. Soit oui, je te donne. Au ndio mimi nakupatia. Et lui arrive des fois il dit non. Na wakati mwingine anasema hapana. Dis à ton voisin que Dieu peut te dire non aussi. Il a dit à Adam de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance de vie. Il a dit à Paul que je ne peux pas enlever votre écharde. Et il a dit à Moïse, tu n'entres pas à Canaan. Dis à ton voisin, il peut aussi te dire non. Mais souvent l'église n'est pas préparée au nom de Dieu. Aujourd'hui, je suis amplement reconnaissant. Je rends grâce à Dieu cet après-midi pour ce grand privilège que Dieu nous donne de nous tenir là pour apporter notre petite contribution. Savez-vous que les programmes des avions sont véritablement perturbés? Mais en fin de compte, Dieu a permis quand même qu'on soit là. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Gloire à Dieu. Merci. Merci également à papa, la santé pia kwa baba, le révérend pasteur papa Zachary. Mheshimiwa mchungaji baba Zakaria. C'est un homme de parole. Ni mtu wa neno. Et il m'a dit aliniambia que cette année ne se terminera pas comme il a annoncé ici devant. Hii mwaka itamalizika kama vile alisema hapa mbele. Il m'a honoré en répondant à mon invitation. Aliniheshimisha mkutimiza aliko yangu. Et il est venu ensemble avec maman. Na balikuwa pamoja na mama. On a passé de très beaux moments en Mbujimayi. Tulipitiza nyakati nzuri sana kule Mbujimayi. J'ai aimé le langage de papa. Nilipenda masemi ya baba. Moi personnellement Dieu m'a appris. Mimi kwa upekee Mungu alinifundisha. Ce ne sont pas les endroits qui bénissent les gens. Haiko manafasi ndio inabariki watu. Je veux que l'interprète encore répète ça. Napenda aina mpa nafasi panabariki mtu. Mais c'est Dieu qui bénit les hommes dans les endroits. Lakini ni Mungu anabariki watu pa nafasi. Peu importe l'endroit où vous pouvez vous retrouver. Ingawa fazi ambayo unaweza kujikuta. Ton problème c'est de veiller seulement si Dieu est avec toi. Mambo kutambua toi kama Mungu yuko pamoja nawe. Si Dieu est avec toi, kama Mungu yuko pamoja nawe, même dans le désert, il peut faire jaillir de l'eau. Anaweza kutosa maji. Papa est venu, baba alikuja, pour me soutenir dans le projet, Dieu a kunishikamisha mwile matengenezo, de bâtir le temple, ya kujenga hekalu. Et il a fait un grand travail. Alifanya kazi kubwa. Et nous avons récolté l'argent. Tulipata feza. Et on attendait la saison sèche. Tulianza kongojea kipwa. Et c'est là que nous allons commencer, comme il a dit, d'ici le 15. Ni hapa tutaanza kama vile alisema tarehe 15. Papa de tout cœur, merci beaucoup ensemble avec maman. Mama sante sana pamoja na baba. Pour la confiance manifestée à notre personne. Juu ya tumaini ambayo mnafanya kwa mtu wetu. À nous associer à ce grand travail. Mukutuunganisha kwa kazi hii. Amen, amen. Vous savez, quand vous parlez avec papa, vous sentez la voix de la prière. Kama unasikia na baba, huko unasikia ni sauti ya maombi. Et chez nous, avant de commencer la prédication, il s'est mis à genoux. Na kwetu mbele yeye kwanza mahubiri mbele anaenda kwa magoti. Et il a prié sérieusement. Na aliomba sana. Et son passage a ouvert une autre dimension dans notre église. Na mpito yake ilianzisha wakati mpya. Je ne sais pas si vous allez vous joindre à moi. Siwe kama mutaungana nami. Nous allons maintenant dormir ensemble pour honorer papa et maman. Nous allons les acclamer très fort. Tutabapikia mikono. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. Est-ce qu'on peut les honorer avec acclamation? Tunaweza kuheshimu na kupita mikono. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Otokofu kwa Bwana Mungu. La puissance d'un temple dépend du sacrificateur. Uwezo ndani ya hekalu inaelekea pia mkuani. C'est pourquoi des fois je dis on ne choisit pas une église, on choisit un pasteur. Ndio maana mimi nasemaka bachakula yake kanisa wanachakula kama mchungaji. Parce qu'aucune église ne peut être sauvée sans un ministère authentique là-dedans. Hakuna kanisa itakuwa bila mwito moja ya upekee ya kweli. Jésus quitte
temple. Et les apôtres lui faisaient remarquer la beauté du temple. Et lui dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Parce que c'est lui le sacrificateur qui sortait dans les temples. Vous êtes bénis parce que Dieu vous a donné un homme qui a un appel authentique. Gloire à Dieu. Et merci à toute la ceinture qui travaille ensemble avec papa. D'une manière ou d'une autre, trouvez notre reconnaissance ici pour le grand travail que vous faites en ces lieux. Et à vous tous qui êtes là ce soir, je vous aime et je vous bénis de tout cœur. Je dis encore que je vous bénis. Je répète encore que je te bénis. Si tu me donnes un bon amen, je te bénis brutalement alors. Gloire à Dieu. Alors, je vais introduire mon travail aujourd'hui. Et je vais le poursuivre jusqu'au dimanche. Le plus souvent, quand on prêche pour la première fois quelque part, l'auditoire regarde les prédicateurs. Wakati watu wako nafuata mhubiri wanaangalia mhubiri et le prédicateur regarde l'auditoire na mhubiri naye anaangalia makutano on se connaît pas, on se pose des questions, comment ça va se passer. Atuyuane tu kunajiuliza bitafanyika je bitapikana je les gens des fois pour la première fois les gens pour le message juste la curiosité pour voir qu'est-ce qu'il va dire, comment il va introduire et ça sera comment. Mara ya kwanza watu bana hapo jua ujumbe lakini beko naangalishisha bitafanyika je atanza mesali yake je. Ça arrive souvent. Et les prêtres aussi regardent le peuple. Comment ils réagissent. Est-ce qu'ils sont réceptifs. Tout ça, on se pose beaucoup de questions. Mais je sais que le Seigneur est là. Et à cause de sa présence, vous allez vous rendre compte qu'à la fin, nous allons beaucoup nous aimer. Et ça va marcher normalement. C'est ton amen qui me décourage encore. Voilà. Est-ce qu'on peut se tenir debout, nous allons prier? Je veux que tu pries ensemble avec moi. Avant toute chose. Et je vais t'inviter à élever ta main droite. C'est une main qui manifeste ta foi. Et je dis toujours aux gens, un homme de foi, il n'attend pas voir pour croire. Mais il croit avant de voir. Si tu as la foi ce soir, tu peux déjà déclarer avant toute chose ce que tu voudras que le Seigneur réalise. Si tu es malade, tu peux dire à ces dieux-là, Seigneur, je veux d'ici le dimanche que je sois guéri totalement. Si tu veux que Dieu te restaure, te relève, tu peux dire à Dieu, je voudrais la restauration. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Avec Dieu, nous sommes dans les déjà, et nous le verrons après s'accomplir. Lève ta main droite et parle à Dieu comme un homme, comme une femme de la foi. Dites à Dieu, je suis là. Je ne veux pas que je sois ici par habitude. Que ma présence ne soit pas religieuse. Mais je veux que tu me parles. Et que ton esprit m'amène dans le programme parfait que tu as préparé pour moi. Élevons nos voix et prions ensemble. Père Tout-Puissant. Merci Seigneur Dieu de grâce. Je te fais confiance ce soir. Oui, mon Dieu, mon Père, et je bénis ton saint nom. Tu es le Dieu qui sait être là. Tu as promis d'être avec nous jusqu'à la fin du temps. Nous venons te confier ces instants entre tes mains. Seigneur, merci pour ton peuple. Sanctifie ces temps par la puissance de ta parole. Je me pose silence à tous les royaumes des ténèbres. Et je demande au Saint-Esprit de nous prendre en charge. Que l'onction de la liberté nous soit donnée. Au nom de Jésus, nous prions avec multiple action de grâce. Ensemble, nous disons Amen. Amen. Voilà. Alors, je réfléchissais sur le thème. Et la sagesse divine m'a aidé à comprendre.
et a déposé une pensée dans mon cœur que je vais essayer de les partager ensemble avec vous. Alors, moi, je vais commencer par le succès, la réussite, la prospérité et la victoire avec le Saint-Esprit. Pour terminer avec une vie nouvelle pour de nouvelles choses. Je vais faire une combinaison comme ça. Amen, amen. C'est pourquoi je voudrais présenter mon petit Caneva qui va nous permettre à atteindre notre objectif. Et ce Caneva a 5 points. Le premier point, je vais faire un appel à la compréhension de mon sujet. Et je vais chercher à découvrir deuxièmement pour l'importance de rattacher le sujet au Saint-Esprit. Et troisièmement, je parlais sur la compréhension profonde du programme divin pour notre vie. Par rapport à une vie de qualité ou une vie nouvelle. Et je vais relever le Saint-Esprit comme l'agent principal qui nous introduise dans cette vie-là. Et en fin de compte, je vais parler sur les exigences de cette vie nouvelle. Voilà, c'est simple. Je prie pour que Dieu me fasse un spécialiste en synthèse. Parce que je vais aussi prêcher et prier beaucoup avec vous. Donnez-moi un grand amen. Alors, nous allons commencer par le premier point, appel à la compréhension. Pourquoi un appel à la compréhension? J'ai découvert que la compréhension, c'est l'une des clés d'une vie de nouvelles choses. Tu ne dois pas jouer avec la qualité de la compréhension des choses dans ta vie. Parce que tu accèdes à des choses par rapport à ta compréhension. C'est pourquoi je fais cet appel à la compréhension. Et je fais deux réflexions. La première, si ce que tu crois être vrai est faux, c'est que tu bâtis sur un mauvais fondement. Être vrai est faux, c'est que tu bâtis sur un mauvais fondement. Et il y a des gens comme ça, très zélés, très sincères. Ils pensent que c'est vrai. Ils pensent qu'ils sont sur le chemin. Ils pensent qu'ils sont dans une bonne direction. Mais malheureusement pour eux, ils sont dans le faux. Ils peuvent tout faire, ils n'arriveront jamais à leur objectif. Ma deuxième réflexion est, si tu crois être faux ce que tu fais, alors que cela est vrai, c'est que tu diminues la possibilité d'accéder à une vie de qualité. Parce que tu auras beaucoup de doutes. Tu auras beaucoup d'hésitations. Tu ne seras pas motivé. Parce qu'au départ, tu sens que cela n'est pas vrai, n'est pas correct. C'est pourquoi j'ai compris l'importance d'attacher ce sujet au Saint-Esprit, de le connecter au Saint-Esprit. Parce que l'une des grandes missions du Saint-Esprit, c'est de bâtir notre compréhension. Jésus a dit, dans Jean chapitre 16, Jean 16, le verset 13. Je veux que nous puissions remarquer cela. Jean 16,
Le verset 13. Shaïri ya 15. Jésus dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Voyez-vous cela? Que la mission du Saint-Esprit, c'est de venir passer sous le chemin de la vérité. Réduire l'esprit d'erreur. Nous retirer du faux. Et nous placer sous le chemin de la vérité. Afin que chacun soit posé sur un fondement qui lui donne une espérance d'atteindre l'objectif qu'il poursuit avec Dieu. Et la Bible dit, il ne nous conduit pas seulement dans la vérité, mais dans toute la vérité. Autrement dit, le Saint-Esprit, quand il entre en jeu, il nous rassure, il nous garantit qu'on ne sera pas dans le faux. Nous serons placés sous le chemin de la vérité et nous pouvons espérer ce que nous attendons de Dieu. C'est ton sens qui m'inquiète. C'est pourquoi Daniel au chapitre 9, le verset 21. Daniel, je crois qu'il était en train de chercher à comprendre le plan de Dieu à Babylone. Et il a pris à cœur de commencer à prier. Et quand il priait, la Bible dit, Dieu a envoyé l'ange Gabriel. Et voici ce que l'ange Gabriel lui dit. Le jour où tu as eu à cœur de prier, la parole de Dieu est sortie. J'aime les hommes et les femmes de prière. Parce que les hommes ils ont la capacité de trouver le réservoir qui contient la parole. Cette parole ne pouvait pas sortir si elle n'était pas enfermée dedans quelque part. Et comme elle était enfermée, l'esprit de Daniel, quelles que soient ses ambitions, quelle que soit son onction, il ne pouvait pas accéder à cette vérité-là qui pouvait l'aider à accélérer l'obtention de ce qu'il attendait de Dieu. La Bible dit que l'ange est venu. Et quand l'ange atterrit, je parle de Gabriel, il est chargé des informations dans le royaume des cieux. Il dit ceci: je suis venu pour ouvrir ton intelligence. Des fois, nous nous battons avec des problèmes dans la vie. Et nous croyons que nous avons des géants démons. Ça peut être tout simplement une intelligence limitée. Et tu vois ta vie comme une grande montagne. Il suffit qu'on ouvre l'intelligence. Parce que la vraie délivrance commence par le renouvellement de l'intelligence. L'apôtre Paul écrit aux Romains en disant: soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il n'y a pas de transformation si l'intelligence n'est pas renouvelée. Je suis venu t'ouvrir ton intelligence. Autrement dit, augmenter la capacité de ta compréhension pour que tu comprennes les plans de Dieu pour toi. Ce soir, je fais une déclaration. Je sais que devant toi, je ne savais pas, mon ami est allé se cacher vraiment quelque part, je ne le vois pas en face. Que Dieu te bénisse, pasteur Samson. Savez-vous que Je fais une déclaration que Dieu t'ouvre l'intelligence afin que tu commences à comprendre la qualité de la vie à laquelle il t'a appelé. Et celui qui le fera en toi, ce ne sont pas tes diplômes seulement, mais la puissance du Saint-Esprit. Parce que lui, il a une particularité. La Bible dit quand il viendra, il ne parlera même pas de lui-même. Il prendra ce qui est dans le Père. Et
C'est ce qui est dans les pères qui est important pour ta vie. Et il va te les transmettre. Je voudrais qu'à partir de ce soir, que les écailles de tes yeux tombent. Et que Dieu renouvelle ton intelligence et que tu commences à comprendre le plan, le programme divin pour ta vie. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi? Gloire à Dieu. Vous savez, quand je parle du programme et le plan de Dieu, quand on n'a pas cette intelligence renouvelée, on peut les confondre à ce que j'appelle les circonstances de ta vie. Aux choses que tu traverses, aux choses que tu vis, aux choses qu'on t'a expliquées par tes parents, les choses que tu, auxquelles tu es habitué depuis ton enfance, et ça influence notre vision. Regardez au Congo, des fois l'image de Dieu est plus correcte à nous parce que c'est faussé par tout ce qui se passe. On commence à voir comme si Dieu ressemble à ce qui se passe au Congo. Et des fois, quand on a la fièvre, on pense que Dieu aussi a la fièvre. Et des fois, quand on n'a pas l'argent, on pense que Dieu aussi est dans les manquements. Vous savez, si l'environnement dépose une certaine information dans ton esprit, ça risque de t'opposer avec le vrai programme parfait de Dieu pour toi. Pose la question à ton voisin, ne sais pas toi quand tu parles de Dieu, à quoi tu penses? Amen, amen. Amen. Les circonstances négatives que tu as connues et que tu traverses ne peuvent pas ressembler au programme divin pour ta vie. Kufanana na matengenezo ya Mungu juu ya maisha yako. Jérémie dit, Jérémie anasema, na ule ni Mungu. Il se présente comme un expert. Anajionyesha kama kajua. Il dit moi Dieu. Anasema mimi Mungu. Il sait de quoi il parle. Eko najua kenye je anasema. Je connais. Najua. Le plan que j'ai formé pour vous. Matengenezo le plan de bonheur et non de malheur. Hapana ya mateso. Afin de vous donner un avenir meilleur. Mimi nimepatia masiku za kesho mzuri. Et de l'espérance. Na matumaini. Celui qui dit c'est Dieu. Ule anasema ni Mungu. Il s'exprime au travers le prophète Jérémie. Eko anasema kupitia nabii Yeremia. Pourquoi il est dit? Jua nini anasema? Parce qu'il entend le langage d'Israël. Dieu l'esprit m'a semé Israël. Parce que l'ignorance va te pousser à attaquer l'innocent. Ujinga itakufanya ushambulie hata mtu asiwe mambo. Je répète encore, l'ignorance ujinga va te pousser itakusukuma à s'attaquer à l'innocent. Kushambulia na kenye akina na mambo. Et l'innocent qu'on attaque souvent, na kenye akina na mambo tunashambulia, c'est Dieu. Ni Mungu. Ce n'est pas en vain qu'il a dit ça à Jérémie. Haina kubuna alimwambia ile Jérémie. Parce que le peuple avait tendance, juu taifa ilikuwa, à l'accuser. Ilipenda kumshitaki. Il voulait lui dire, haina kumwambia, tout ce que nous vivons, c'est toi qui es là-bas. Si j'ai perdu, si je ne réussis pas, si je n'ai pas les succès, si je ne remporte pas de victoire, c'est la volonté de Dieu. Alors il vient comme se justifiant. Il commence par dire non. Moi Dieu, je connais les plans que j'ai formés pour vous. Ne m'accusez pas au nom de votre ignorance. Mon plan pour vous, c'est un plan de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir meilleur et de l'espérance. Comment vous le saurez? Il suffit d'observer trois choses. La première chose, la qualité de notre alliance avec Dieu. Lorsque vous regardez la qualité de notre alliance, qui est reposé sous les meilleures promesses. Inategemea pamala kumzuri. Vous comprenez que unaelewa ya kwamba Dieu Mungu a un programme ana matengenezo son peuple. Ya mzuri jua taifa yake. La deuxième chose, kitu ya pili, lorsque vous regardez les prophéties, wakati unaangalia matabiri qui sont manifestés par les promesses même que Dieu nous a donné. Inaonekanika kupitia malako Mungu alitupatia. Quand nous prenons l'échantillon d'Abraham, kama tunaona kionesho kama Ibrahimu, qui est notre père, anakuwa baba yetu, dans la foi, na nyaimani, Dieu l'appelle, Mungu anamuita,
Dans le livre de Genèse, chapitre 12, le verset 1er, Dieu lui dit, quitte la maison de ton père, ton pays, ta patrie, et voilà ce qu'il lui dit, je te bénirai. Il ne l'a pas appelé pour la malédiction. Il dit, je te bénirai. Je te rendrai grand. Je vais te donner une postérité. Je vais te donner un pays. Déjà par Abraham, vous comprenez que le cœur de Dieu pour son peuple, c'est pour un programme de bonheur et non de malheur. Et l'apôtre Paul dit Paolo, aux Romains au chapitre 8, Roma, mnane, le verset 29 à 30, il dit ceux-là qu'il a connus d'avance. Ça veut dire, avant même que vous puissiez exister, votre vie n'est pas un accident. Votre vie ne sera pas une chance. Voyez-vous, la vie n'est pas une chance. On ne réussit pas par chance. La vie n'est pas une loterie. Votre vie a été préparée d'avance. Vous avez existé d'avance avant votre existence ici. Et dans cette existence d'avance, j'avais tout préparé pour vous. Et qu'est-ce qu'il a préparé? Il a préparé que vous, là, vous deveniez semblable pas à un président de la République, pas à un prophète. Il vous a placé. Votre véritable niveau, c'est son fils Jésus-Christ. Et Jean dit tel qu'il est là. C'est comme ça que vous devez être sur la terre. Pose la question à ton pensée. Toi, tu te compares à qui? Ouais, ouais. Ou bien tu veux devenir comme qui? J'ai vu les gens se battre, papa, pour chercher à devenir comme un gouverneur. Non. Votre niveau, votre niveau, c'est Jésus. Et pour que vous puissiez arriver à ça, la Bible dit il vous a appelé. J'en parlerai, vous comprendrez. Il vous a justifié. Et en fin de compte, la Bible dit il vous a glorifié. Et Paul met un point. Ce que peu importe, notre terminus en Dieu, ce n'est pas la honte, ce n'est pas la confusion, mais c'est la gloire. C'est pourquoi Jésus, je l'appelle l'amplificateur. Peu importe la manière dont il t'a trouvé, il peut te trouver petit, mais il te rendra grand. Il peut te trouver pauvre, il te rendra riche. Il peut te trouver inconnu, il te rendra célèbre. Il n'y a personne qui peut croiser Jésus et rester le même. Il commence avec toi dans la faiblesse et il termine avec toi dans la gloire. Vous savez que le diable sait décoller avec les gens, mais son problème, il ne s'est pas atterri avec les gens. Dis à ton voisin, l'atterrissage de Satan n'assure personne. Peu importe le niveau où il t'a amené, tu peux être très content dans votre vol là, mais laisse-moi vous dire ce soir, vous allez mal terminer. La Bible dit, telle voix paraît bon à un homme, mais la fin, c'est la mort. Mais Dieu peut commencer dans les faibles commencements. Il peut commencer comme dans les blancs. Il peut commencer comme au Kamaramba. Voyez-vous? C'est comme au Kamaramba là. Donc tu peux penser que non, ce sont les enfants du camp. Et le matin, à 4h du matin, nous nous levons et nous crions dans les avenues. Donnez vos vies à Jésus. Et les gens nous attendent dans les maisons. Ils disent, mais c'est qui dérange le sommeil? Dis à ton voisin, si Dieu a commencé, il a déjà commencé. Peu importe les lieux où il t'a trouvé. Et une chose qui nous garantit, Dieu connaît comment terminer avec les hommes. Je peux t'encourager ce soir, il terminera avec toi dans la gloire. C'est ton amen qui me décourage. Je dis, il terminera avec toi dans la gloire. Alléluia. Amen. Et quand vous voyez
la bénédiction que Dieu promet à Israël en Deutéronome chapitre 18. Deutéronome 28 plutôt. Israël et Kumbukumbo la Torah Tema Kumbili Namnani. Quand vous lisez tout ça, wakati na soma yote, Dieu vous donne l'image. Mungu anakupatia picha de son cœur, ya moyo wake, de son programme, ya matengenezo yake, de ce qu'il désire, ya bien anataka, de ce qu'il a comme vision, ya bila kuna bio kama onyo, pour son peuple, juu ya taifa yake. Et dit vous serez supérieur. Asema mutakuwa wa juu. Vous serez à la tête. Mutakuwa wa mwanzo. Vous ne serez pas de queue. Amutakuwa wa mwisho. Dieu parle de la du succès. Mungu anasema de la réussite. Il parle de la victoire. Il parle d'une vie de qualité qu'il a inséré dans le programme de la bénédiction pour son peuple. Dis à ton voisin, si tu as un malheur dans ta vie, va chercher ailleurs. Ne cherche pas sans Dieu. Parce que je ne vois pas Dieu. Ah, je ne le vois pas. Mais Shimon. Et lorsque je suis venu, il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Il pouvait s'arrêter là. Mais il dit une vie en abondance. Ça signifie quoi? Je ne me contente pas seulement de vous donner la vie, mais je veille aussi beaucoup à la qualité de la vie que je vous donne. La qualité de la vie. Aina mzuri ya maisha. Voilà pourquoi nous sommes dans une qualité éternelle. Dio mana tukumu aina ya maisha ya milele. Notre vie n'a pas de fin. Maisha yetu ina mwisho. Même si vous mourrez. Ata unakufa. Mais vous mourrez dans l'espérance. Unakufa ndani ya tumaini. La Bible dit, Biblia inasema, au son de la trompette, le vivant ne vont pas précéder les morts. Watatangulia wafu. Ils vont ressusciter. Watafufuka. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Unaweza kushangilia nguvu ya Yesu. Maintenant, écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, ça musique, wa peno na nyabwana. Le programme peut être costaud. Matengenezo nezo kaka bambi. Dieu peut avoir une grande vision. Mungu anaweza kuwa na onyo kubwa. Avec son peuple. Na taifa yake. C'est une chose. Ni kitu moja. Mais y accéder, c'est une autre chose. Lakini kufikia kwa na konjo kitu kingine. C'est ça le problème. Jo mambo. Y accéder, c'est une autre chose. Si vous avez une grande vision, vous avez un grand programme, et que vous ne savez pas comment y accéder, votre vision ne vous servira à rien. C'est pourquoi le livre de Zacharie m'intéresse. Ça, c'est un prophète de vision. Et dans les visions, Dieu lui montre de grandes choses. Mais à un certain moment, tout ce qu'il voit, la grande question, comment cela se fera-t-il? Voyez-vous, comment cela se fera-t-il? Et Dieu, au chapitre, je crois, 4, verset 6, il dit à Zacharie, ce n'est ni pas la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit que tu vas entrer dans ce programme-là. Bien-aimé dans le Seigneur, sans le Saint-Esprit, nous allons ressembler à Saoul. Tout à fait, nana, Saoul. Dieu avait un grand programme avec lui de devenir roi en Israël. Israël. De chez les Anes. Il était en train de chercher les années. Alors que le plan de Dieu, c'était la royauté. L'église, si vous ne connectez pas à l'Esprit de Dieu, vous serez riche en futilité. Et c'est ça qui caractérise les gens aujourd'hui. Les gens sont très occupé à ne rien faire. Il transpire. Comme Saoul. Kama Saulo. En train de chercher. Weko natafuta. En train de faire les choses. Weko alors que le plan de Dieu. Japo matengenezo ya Mungu. Avait déjà réservé un trône. Kuchunga en. Mais Saoul ne savait pas. Saulo comment accéder à ce trône là. Kufike kuhile, et il était caractérisé par le tâtonnement. Na alimanisho na kutanka tanka. Si tu ne marches pas dans la précision et dans la sûreté, tu tombes dans les tâtonnements. Et le danger des tâtonnements, c'est la perte du temps. Le danger des tâtonnements, tu seras riche dans les erreurs. Et les dangers
tâtonnement, tu vas te conformer. Comment je peux appeler ça? À une personne qui veut copier les autres. Je vais ouvrir une parenthèse avant que je n'aille plus loin pour atterrir. Est-ce que tu sais que Dieu ne peut rien faire pour que tu deviennes quelqu'un d'autre? Je répète encore. Dieu que tu pries, il ne peut rien faire pour que tu deviennes quelqu'un d'autre. Tout ce que Dieu fait, c'est pour que tu deviennes toi-même. Parce que dans le plan de Dieu, il t'a conçu comme une personne unique. Vous n'êtes pas à deux. Vous êtes unique dans le programme de Dieu. Mais si toi tu veux marcher pour te comparer aux autres, si tu veux marcher pour imiter les autres, Dieu ne t'accompagnera pas. Parce que ça ne va pas refléter le programme qu'il avait prévu pour ta vie. Et il y a des personnes qui nous privent, d'eux. Voilà. Parce qu'ils veulent devenir comme quelqu'un. Et ça, c'était la faiblesse d'Israël. Dieu les appelle à une particularité. Mais ils voulaient devenir comme les autres nations. Et cette influence ne vient pas de l'homme, ça vient du diable. C'est Satan qui a dit à l'homme dans le jardin d'Eden, si tu désobéis à Dieu, tu deviendras comme. Dieu ne t'a pas créé pour que tu deviennes comme. T'a créé pour que tu sois toi-même. Dis à ton voisin, sois toi-même. Est-ce qu'il t'arrive de se mirer? Et puis tu te contemples. Quelle créature que Dieu a créée. Il y a des gens qui sont très intéressés à ce que les autres sont. Ils connaissent beaucoup des autres, mais ne connaissent rien d'eux-mêmes. Moi, tant que vous me voyez ici, je m'aime beaucoup. Avant que ton amour n'arrive, ça va d'abord trouver mon propre amour. N'est-il pas écrit, tu aimeras ton prochain comme? Et je dis toujours, moi je m'aime beaucoup. Je ne peux pas me faire du mal. Parce que dans le plan de Dieu, je devais être comme ça. Avec cette taille, avec cet teint, avec cette masse, avec cette manière de faire les choses. Et c'est dans ce profil-là que la gloire de Dieu finira par se manifester. Dis à ton voisin, sois-toi. Un roi mais changé dans un chercheur des ânes par manque d'accéder au programme que Dieu avait préparé pour lui. En fin de compte, Dieu merci, quelqu'un lui a dit, ne continue pas à tâtonner. Quand tu tâtonnes, tu vas essayer d'aller partout. Sur la terre, il n'y a aucun endroit qui s'appelle partout. Celui qui va partout, il n'arrivera jamais. Il deviendra maître de rien. Il y a quelqu'un ici. Et j'ai aimé ce que lui a dit. C'est un voyant. C'est un prophète. Il peut t'orienter. Il peut te conduire. Il sait aider les hommes dans la matière de tâtonnement. Il sait aider les hommes à les replacer sur le chemin de leur destinée. Avec lui, vous pouvez localiser votre destinée. Il est là. Et j'ai aimé la spiritualité de Saoul. Il n'était pas enflé dans la nature d'un prince. Il a dit allons-y. Il est parti. Dis à ton voisin, si tu veux aller plus loin avec Dieu, apprends à être. Parce que les choses de Dieu sont réservées aux humbles. Il a obéi. Et dès que Samuel a vu, prophétiquement parlant,
dans son esprit. Il a dit que cet homme n'est pas un chercheur des ânesses. Je crois dans le fin fond de mon cœur. Plusieurs sont comme Saoul. Je pense à Saul de Tarse, un bâtisseur des églises, mais changé en destructeur des églises, en persécuteur de l'église. Et ce jour-là, il était zélé dans le judaïsme, pensant qu'il servait Dieu. Vous savez que l'ignorance est très dangereuse. L'ignorance est très dangereuse. Ça peut te déconnecter du programme de Dieu. Et ce jour-là, il était surpris d'entendre quelqu'un lui dire: pourquoi tu me persécutes? Pour lui, il servait Dieu. Mais pour Dieu, il était en train de le persécuter. Vous savez que c'est vous l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. Lorsque votre vie sur la terre, vous n'êtes pas l'image de Dieu qu'il a conçu pour vous avant la fondation du monde. Vous le persécutez. Vous n'êtes pas différent de Judas qui l'a trahi. Vous n'êtes pas différent des militaires romains qui l'ont cloué. Parce que quand je regarde la terre, il regarde son programme pour toi. Il dit: mais pourquoi tu me fais souffrir? Dis à ton voisin: laisse te faire souffrir Dieu. Si tu crois vraiment que la vie là que tu as, c'est ça la vie que Dieu avait prévue pour toi. Et tu n'as pas dit que la vie que tu as, c'est ça la vie que Dieu avait prévue pour toi. Et là, pour qu'il devienne un menteur sur la terre. Il crée quelqu'un qui devient un escroc. Il a créé quelqu'un qui devient un danseur. Il chante, il danse pour les hommes. Dis à ton voisin: pourquoi tu persécutes Jésus? Ce soir, je te propose celui qui est plus que le prophète Samuel, le Saint-Esprit. C'est celui qui a le mandat de te replacer sur le chemin de ta destinée. Il va te connecter à ses programmes divins. Et tu deviendras véritablement ce que Dieu avait prévu pour toi. Alors pour terminer, pour aujourd'hui, car c'était un fondement que j'étais en train de poser. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, la vie de qualité ou la vie de nouvelles choses à des exigences. Je veux que vous ne soyez pas des personnes qui se limitent aux souhaits. Connaître ce que Dieu vous a promis, c'est bien. Mais savoir ce qu'il faut faire pour que votre promesse s'accomplisse, c'est mieux. J'ai aimé les gens de la Pentecôte. Ils ont dit à Pierre: vous parlez en langue, c'est bien. Mais qu'est-ce que nous allons faire aussi pour que nous entrons dans ce que vous faites? Ça ne suffit pas de connaître tes prophéties. Mais c'est mieux de savoir comment adhérer à ça. Alors la première exigence, ou le premier fondement, lorsque Dieu veut amener quelqu'un dans cette vie-là de qualité, premier fondement, c'est le salut. Ça commence par là. Il n'y a pas de nouvelle vie sans salut. Et pour aujourd'hui, on peut terminer par là, je crois. Je vais prêcher mon petit message et le clôturer. Regardez Zachée. Ce monsieur avait des ambitions de la grandeur. Les gens pensent qu'il est monté aussi comment parce qu'il était de courte taille. Non, il voulait être grand. Il voulait se distinguer. Il voulait le succès, la réussite, la prospérité. Il voulait la victoire. Il y a des gens qui ont des ambitions comme ça. Ils veulent que dans la vie qu'ils avancent. Et il est monté aussi comment. Et sur cette avenue-là,
Il n'y avait que lui qui était au-dessus. Il croit pas qu'il y a un John quoi Yulu. Et tout le monde était en bas. Bantu bote le quoi Papa, j'ai réfléchi à quelque chose. Satan a dit à Jésus, est-ce que tu peux te jeter en bas, n'est-ce pas, dans la tentation, vous vous rappelez ça? Et il est écrit de toi, Dieu viendra faire quoi? T'es sauvé. Voilà. Réfléchissons un peu. Si Jésus avait accepté, comme c'était écrit, de lui comme ça, il se jette. Dieu devait le protéger. Il devait faire quoi? Mourir. Pourquoi? Parce que là où il est parti, ce n'est pas Dieu qui l'a amené là-bas. Dieu ne te protège pas dans, ce, dans les choses dans lesquelles il ne t'a pas amené. C'est pourquoi tu es monté aussi comment? Mais ce n'est pas Dieu qui t'a amené jusque-là. Il y a des gens qui ont des niveaux. Il y a des gens qui ont des grandeurs. Il y a des gens qui ont des puissances. Mais malheureusement, ce n'est pas Dieu qui les a amenés là-bas. Et tout ce que Dieu n'a pas amené dans ta vie, c'est un piège pour toi-même. Et tout ce qu'il fera pour t'aider, ce n'est pas t'encourager, c'est te ramener encore par terre. Papa, il y a des personnes que Dieu doit abaisser avant de les élever. Parce qu'il y a la différence entre être grand et gonflé. Tout ce qui gonfle peut se dégonfler. Mais tout ce qui est grand par Dieu ne sera jamais petit. C'est pourquoi la Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais de l'Éternel. Jésus, en passant par là, il lève le regard. Il trouve un monsieur qui grimpe à l'arbre comme un oiseau. Alors il est là, il lui fait des grimaces. Je suis là, sachez. Jésus. Ni quoi pas, Jésus. Yesu. Et tout le monde, et Jésus, tout le monde le regarde. Na Yesu, na bantu wote bana inua macho bana mwangalia. L'homme qui est au sommet. Et Jésus dit. Yesu. Monsieur. Alors, bien. Descends. Shuka. Dieu ne bâtit pas seulement. Mungu ashijenga ke mutu. Dieu détruit aussi. Ce qui n'a pas bâti. Voulez-vous aller loin avec Dieu? Acceptez que Dieu commence à détruire tout ce qui n'a pas bâti en vous. Voulez-vous aller loin avec Dieu? Acceptez de descendre dans les hauteurs où vous êtes parti sans Dieu. Il n'y a que toi seul qui sais dans ta tête que tu es grand. Dieu et le Saint-Esprit ne sont pas au courant. Dis à ton voisin, descends un peu, descends. Descends un peu, descends et descends. Descends un peu, descends un peu. Soukako, soukako. Et Dieu ne fait pas descendre les gens pour rien. C'est pour poser le fondement. Il dit, allons dans ta maison pour que le salut entre d'abord chez toi. Alors je vais poser la question à quelqu'un ici ce soir. Est-ce que tu es sauvé? Wow. Ça c'est la question de Costa Calonge. Est-ce que tu es sauvé? Vous savez, fréquenter l'église, ce n'est pas être sauvé. Il y a ce qu'on appelle les païens de l'église. Parce qu'il y a les païens des bars, les païens des stades. Et aussi les gens qui ont pris le courage d'être païens, mais dans l'église. Ils viennent à l'église, mais ils ne se sont jamais convertis. Ça commence par là. Allons chez toi. Il faut que le salut entre dans ta maison. Est-ce que tu es sauvé? As-tu donné ta vie à Jésus? As-tu reçu Jésus dans ton cœur comme sauveur et Seigneur? Un jour, en Bujumaï, dans la rivière Kanch là-bas, on baptise les gens. Vous savez, avant d'abord, on est dans la rivière, on essaie de palper pour voir le niveau de l'eau. Un pasteur qui nous a accompagnés. Pasteur, il
Pendant qu'il palpait de l'eau, il était à genoux et puis il me fait ça, il me souffle dans l'oreille. Tu peux me baptiser, on ne m'a jamais baptisé. J'ai dit, mon cher, comment tu es arrivé jusque là, Zaché? Zaché, comment tu es arrivé jusque là? Alors que tu n'as jamais été baptisé. Ceux-là qui croiront et qui seront baptisés, ils seront sauvés. Et ici, je vais interpeller nous les prédicateurs. Lorsque nous prêchons, nous devons laisser l'espace pour que les gens donnent leur vie à Jésus. Parce que ça disparaît dans nos églises. Quelqu'un peut prêcher sous l'enlèvement, mais on ne comprendra pas comment il va faire l'appel des fonds. Tous les appels au salut ont disparu. Et voilà pourquoi les achats sont suspendus en l'air. Et c'est la même chose avec Nicodème. Il avait la formule. Il dit ceci, personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. J'ai appris tes miracles, pris ton onction, j'ai appris tes victoires, j'ai appris ton succès, j'ai appris ta victoire, la réussite, ta prospérité. Tu es un homme extraordinaire. Tu es un docteur qui est venu de Dieu. Il a piré comme Zaché. Mais Jésus, en le regardant, il dit, messieurs, quand je te regarde, il n'y a pas de fondement. La beauté d'une maison, ce n'est pas la décoration, c'est sa fondation. Et Jésus lui dit, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. On l'a ramené au premier pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un pouvoir en devenant un enfant de Dieu. Le plus grand titre dans le royaume des cieux, ce n'est pas l'apôtre. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Il n'a pas fait deux premièrement des apôtres, non. Des prophètes, non. Des évangélistes, non. Il y a des gens qui aspirent au ministère. Mais laisse-moi vous choquer ce soir. L'esprit est plus le ministère. Je répète encore, le salut est plus que le ministère. Le salut est plus que les bénédictions. La Bible dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier? Et si il perdait son âme? À tous ceux qui l'ont reçu, il les a pas donné les mariages, il les a pas donné des maisons, il les a pas rendus prospères. La Bible dit, il a fait d'eux le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu n'est pas peur des choses. C'est le plus grand titre. Mieux vaut ne pas être pasteur, mais être un enfant de Dieu. Mieux vaut ne pas avoir la maison, mais être un enfant de Dieu. C'est le plus grand titre. Jésus lui-même est venu dans ce monde avec le plus grand titre, enfant, fils de Dieu. C'est ce titre qu'elle est seule témoignée. Et ça n'a pas dit, celui-ci est mon prophète, non. Celui-ci est mon apôtre, non. Et celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Est-ce que tu es fils ou fille de Dieu? Ça c'est l'exigence d'une vie de qualité. Donne-moi un grand amen. Non, ton amen semble être malade. Hein? Ton amen est hospitalisé. Trouve un autre amen plus grand que celui-là. Si tu dis amen, entre dans cette statue-là. Entre dans cette statue-là. Ce statut est extraordinaire. Personne ne peut être dans ce statut et mener une vie comme un serpent qui rampe. Parce que le petit d'un chien, c'est un chien. Le poussin, il est comme sa mère la poule. L'enfant d'un homme, c'est un homme. Mais l'enfant de Dieu, il n'est pas un homme. Même s'il est dans la nature humaine, même s'il est chétif, n'est-il pas
écrit que celui qui est en vous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. L'enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. C'est le plus grand titre. Qui va amener dans ta vie italeta mu maisha yako cette vie de succès I maisha ya kufanikiwa de prospérité ya maendeleo. Voyez-vous mes frères, unaona ndugu yangu, oh my God, oh Mungu wangu, comment quelqu'un peut penser à la croissance alors il n'est pas né? Namna kani mtu atafikiri kukomea japo sijazalikwa? Commence par la naissance et puis tu croîtras, n'est-ce pas? Anzia kuzalikwa kisha utakomea. Comment tu peux commencer sans être? Namna kani unaweza kukomea bila kuzalikwa? Ça commence par là. Binanjiaka pale. Et ce soir, na mangaribi ya leo, je voudrais, napenda, Dieu te fasse grâce. Mungu akujalie neema. Que tu puisses t'identifier premièrement. Ujitambulisha kia kwanza. Au fils. Kwa mwana. Et au fils de Dieu. Na kwa mtoto wa Mungu. Ça commence par là. Binanjiaka pale. Ça commence par là. Binanjiaka pale. Ça commence par là. Binanjiaka pale. C'est le plus grand fondement. Njo musingi kubwa. Amen, amen. Ne sois pas seulement choriste. Usiko tu paka mwimbaji. Qui chante bien. Uko naimba mzuri. Mais qui n'est pas sauvé. Lakini haokolewa. Lorsque Dieu a créé, il a placé chaque créature dans sa zone d'influence. Wakati Mungu aliumba, aliumba aweka kiumbe kyote mwali ya fasi yake kwa mzuri. Les oiseaux, ils volent dans les airs, n'est-ce pas? Bandeke beko mupana ya juu, beko na pepuka. N'est-ce pas ça? Sivyo. Et quand un oiseau vole, na wakati ndege kuna luka, il n'a pas de problème. Ashina na mambo. N'est-ce pas? Et le poisson, il les a placés où? Samaki alibatia wapi? Où? Et un poisson dans l'eau, vous savez ce que ça représente? Na samaki mumbo, il n'a aucun problème. Ana na mambo, ana na matata. Un poisson a déjà fait un accident dans l'eau. Samaki ayafanyaka msiba mumai? Jamais. Kamwe. Et les reptiles? Na aba ba nyamba ba kutambala. Rampe sur la terre. Beko na tambala pa dunia. N'est-ce pas ça? Sivyo. Et l'homme? Na muntu. Tu connais la zone d'influence de l'homme? Unajua pahali pa kutembea pa sewa. Ya muntu ni wapi? Non. Apparemment, c'est comme si Dieu a placé l'homme sur la terre. Yuko sa Mungu alimtia mtu pa dunia. Mais la zone d'influence de l'homme, lakini pahali pa panuka pa mtu, c'est la présence de Dieu. Ni wapo wa Mungu. C'est en Dieu que l'on peut nager comme un poisson. C'est en Dieu que l'on peut voler comme un oiseau. C'est en Dieu que l'on peut ramper sur la terre comme un reptile. Et Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. C'est pourquoi je comprends. Quand Adam a péché, il a disparu dans la zone d'influence. Dieu ne le voyait plus. Il était sur la terre. Sur la terre, il n'avait pas disparu. Il a disparu dans la présence de Dieu. Ce soir, rentrez dans votre zone d'influence. Et la vie de qualité va commencer. Si tu dis amen, reçois cela. Nous poussons les cris de joie et nous nous tenons debout, s'il vous plaît. Wow. Je vais d'abord ce soir que tu acclames pour la nouvelle vie qui va commencer en toi là. Napenda kwanza ushangilie mangaribi leo jua maisha mupya tanza ndani yako. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Unaweza kutoa kelele ya furaha. Vous savez, la prière, unajua maombi, est réservée aux personnes qui sont fatiguées de la routine. Inachungiwa tu wa watu wanisha kuchoka na bitu vya zoezi. Nous allons dire à Dieu, on n'est plus satisfait. Tunatamwambia Mungu atufurahi tena. Avec la vie des routines. Na maisha ya kurudiria mubitu imwa kila mara. Demain je vais vous révolter. Kesho nitawatombosha. Dis à ton voisin, ça sera très dangereux ici. Ambia jirani wako itakuwa matari hapa. Nous sommes fatigués. Tunachoka. Si c'est pour seulement pour ça. Kama ni jutu ya ile. Se marier, kuowa, golewa, manger la bouffe, kuila boire de l'eau, wana, dormir et attendre la mort, na kuchunga lufu, ça ne sert à rien. Abina bia faida. Ça ne sert à rien. Abina bia namafa. Il faut que Dieu augmente la soif. Tafadhali Mungu ongeze kiu. Qu'on dise à ces dieux-là. Tuambie yule Mungu. Où es-tu? Uko wapi? Et qu'est-ce que je mène comme la vie? Na ni maisha gani mimi niko nayo? La vie que nous menons dans l'église aujourd'hui, maisha tuko nayo ndani ya kanisa leo, c'est comme si on jouait au théâtre. Iko sasa tuko nafanya ma théâtre.
Et on donne un rôle à quelqu'un. Pendant la pièce théâtrale ici. Toi, tu es président de la République. Et il porte une veste comme un président. C'est juste un rôle qu'il joue. Et on l'appelle Prezo. Et après la pièce. Il va enlever sa veste. Il va rentrer dans sa vie de sentinelle. Et quand vous le regardez, il n'y a pas de rapport entre ce qu'il jouait comme rôle dans la pièce théâtrale et ce qu'il vit comme. C'est ça que nous faisons dans les églises aujourd'hui. Qui est dans la joie? Est-ce que toi, tu es dans la joie? Toi là, tu es dans la joie. On vient bien habillé. Tu l'as comme gagné chaque fois la mosquée. Tout va bien. Alors qu'il y a des gens qui veulent se pendre. Il y a des gens qui veulent déposer la foi. Parce qu'il n'y a pas d'accord entre les promesses et ta vraie vie que tu mets. Ferme un moment les yeux. Lève ta main droite. Dites à Dieu. Si la Bible est véritablement ta parole. Quand ma Biblia, quelle ni neno lako, à partir de ce soir. Kuanzia mangaribia leo. J'aimerais mener la vie de ta parole. Napenda kuishi uzima wa neno lako. Seigneur, Bwana, je ne fais pas de théâtre. Mishipende michezo. Si tu guéris les malades. Kama unaponyeshaka bagonjwa. Il est écrit que les malades seront guéris. Je veux la guérison. Si toi tu prends les indigents de la poussière, tu finis, tu les retires. Tu es un Dieu qui peut épousseter quelqu'un. Tu le fais sortir du néant. Et tu lui trouves de l'espace parmi les grands. Je veux vivre ta parole. Jésus est réel. Yes, Jésus n'est pas une utopie. Lève ta voix. Dis à Dieu ce soir. Je ne suis pas satisfait. Quand je regarde tes promesses. Quand je regarde ton plan. Quand je regarde les prophéties. Quand je regarde l'alliance. Seigneur, non. Où est ce Dieu là? Où es-tu? Le Dieu de la Bible. Où es-tu? Le Dieu de l'alliance. Où es-tu? Le Dieu de la prophétie. Où es-tu? Où es-tu? J'aimerais que ma vie reflète véritablement la vie de la parole. Élève ta voix et prie pendant ce temps.